Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment supprimer des informations d'une base de données. Donc on est dans une base de données qui s'appelle Ma Banque. On a deux tables, client, mouvement. Le contenu de la table client est ici et par exemple nous on veut supprimer le client Johnny. Parce que bah voilà, il nous a quittés, donc voilà, on va pas s'étendre. Alors, si on veut supprimer une information dans une table, on va utiliser le mot-clé delete. Alors, on dit le nom de la table, delete from client. Après, si on s'arrête là, qu'on fait le point-virgule, ça signifierait qu'on supprime tous les clients. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de supprimer un de nos clients, et donc le client Johnny, donc qui a pour ID client le numéro 4. Là, on va utiliser le where pour préciser quel est le client qui nous intéresse. Donc, on va dire le client numéro 4. Un point virgule pour finir notre commande. Une rangée d'affectés, donc un enregistrement de modifié. Donc a priori, ce devrait être OK pour nous. On va vérifier, hein. Regardez qu'est-ce qui reste dans notre table client après notre suppression. Et donc on avait bien 8 clients, il nous en reste plus que 7. Et on a bien le client Johnny qui a été supprimé. Donc on a rempli notre mission, on est super balèze comme d'habitude. Et donc sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker ou vous abonner. Allez, à bientôt. Au revoir.